Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 3 de Pokémon Colosseum. Et oui, grosse attente, hein. Alors j'en étais où moi avec mes Pokémon? C'est très bien. Ah donc oui, grosse attente, hein, évidemment. C'est vrai que le let's play n'avance pas trop en ce moment. Petit combat. Le let's play n'avance pas trop, le son est très fort. Je suis à 2% quoi. Je peux pas baisser plus. Ça c'est le problème de l'émulation, c'est que le son est un peu fort. Enfin pour moi. Et du coup, tac tac. En plus, en ces temps de confinement, c'est encore plus compliqué finalement de faire des vidéos. Et évidemment, affiche. Évidemment, généralement, toute ma famille est là et donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de tourner une vidéo tranquillement. Voilà, tout simplement. Bon. Je vais pas raconter ma life. Hein. Et donc du coup, bah là, il va pas y avoir beaucoup de vidéos à l'avenir. Je voulais pas faire coup de main, je voulais faire retour, mais bon, c'est pas grave. Hop, allez, capoute. Voilà, on gagne un peu d'XP. Les autres Pokémon, je crois qu'ils sont quasiment tous libérés de l'obscurité, là. Oh, ça c'est pénible, ça fait hyper mal à chaque fois. Si on fait onde folie, parce qu'il vaut mieux l'utiliser un minimum quand même. Onde folie, hein. C'est quand même assez pété comme attaque. Hop, on gagne un peu d'XP. À coup critique, quand même, purée. On le follet. Il est rapide ce fourbe. Force cachée. Allez hop. Retour. Ça fait mal. Pêche. Bah il va se faire avoir. Ah vas-y, il a que de la chance. Parce que c'est un ordi. Bon, je pense que là... Il est capote. Je pense qu'on va mettre en mode rapide plus tard parce que ça risque d'être un petit peu long. Je veux m'emballer plus. Ouais, d'accord. Mes Pokémon n'ont pas l'air assez emballés. Tu t'en sors bien pour cette fois. Hop, allez, on va les soigner. Voilà, il faut nettoyer les Pokémon après chaque combat. C'est important contre le coronavirus, évidemment. Est-ce que je peux aller en haut, là? Pardon, pardon. Le distributeur automatique est cassé. Ouais, mais on va y avoir plein de combats, là, je me souviens. Ah là là. Ça va être pénible. Ouais, je crois que c'est une barre d'espace pour aller plus vite. Ah non, c'est pas ça. Peut-être ça. Ah, je sais même plus quelle touche c'était pour aller plus vite. Ah si, c'est ça. Attendez. Ah, ça marche pas. Ah, il faut rester appuyé. Ah, c'est ça, il faut rester appuyé. Oh. En choc mental, je crois qu'il aime pas le psy, lui. Ah bah si, il aime bien. Bon. Nouveau. Oh, on va le bourrer avec psy, parce que je crois que retour, ça lui fait rien. Enfin, quoi qu'on va tester. J'ai un petit doute.
Ouais, bah ça lui fait rien du tout, quoi. De toute façon, allez, il se viande. Ça, c'est beau. Oh, je m'en fous, on le bourre. Voilà. Mais j'espère quand même que ça va pas faire bugger le jeu après. Ah non, la vitesse a l'air normale. Bon. Ça, c'est cool. Ah non, parce que c'est important d'avoir ce bouton-là dans un RPG. C'est très important. Bon, je sais qu'on fait pas dans les conditions de l'époque, mais bon, j'imagine, hein, dans un let's play, ça doit être chiant. Si on fait vraiment dans les conditions de l'époque. Bon, il charge. Bon, je vous promets, contre les boss, on fera pas ça. Évidemment. Un peu de respect envers les boss. Envers les kings. Petit coup critique. Bon, par contre, l'autre, il est paralysé, c'est génial. J'avais pas prévu ça, moi. Au pire, on échange le Pokémon. On prend un autre. Est-ce que je pourrais prendre Makuhita ou... Ouais, Crocodile. Crocodile. Il peut faire le café. Bon, je sais pas s'il est compatible avec les Nespresso. Yeah. Yeah. Alors, charge noire, morsure. Allez, petite morsure. Lui il va mourir d'un coup là, choc mental. Hop, ça fait mal le choc mental, allez hop. Je sais que ce Pokémon est un peu naze. Il y a la trouille, ça c'est la chance de la RNG. Yeah, 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 speedrun. C'est parfait. Voilà, on l'a racketté et c'est parfait. Une Super Ball. On a 5 Super Balls. Ça c'est le futur. Pousse-toi, ma belle. Pousse-toi. Hop. Et là, il va y avoir d'autres dresseurs. Eh oui. Ah, ça, je m'en souviens, purée. À ce passage, avec 40 000 dresseurs, c'était un peu abusé, quand même. Oh, pas chargé, non. Ouais, je pense qu'il est assez costaud, lui, là. Ah, voilà, il est pas mort. Ah purée! Mais c'est pas possible, il l'a réussi! Il a parfaitement réussi son attaque, ce noob. C'est merde. Bon, là, on bourre celui-là. Là. Je le sens pas avec son ultra-son. Ah purée, il est costaud. Hein. Point comète. Oh non, pas furie encore, là. Les gars. Un peu de respect, là. Bon, les charges noires là, ils m'énervent. Choc mental sur celui-là. Hop. Parfait. Boum. Coup critique et il est pas mort. À la voix. Ah, très bien. Bon, petite morsure, choc mental. Ah, Crocodile, il est pas très fort. Hein. Il fait pas trop le taf. Hein. Il fait pas trop le café finalement. Tu m'as battu uniquement parce que je n'avais pas un Pokémon obscur avec moi. Allez, mes Pokémon déchirent, regarde, c'est le Turfu. Oh bah, Stagma Mini, il sert à rien, lui. Attends. Voilà ça. Là, on est bien. Baisse la vitesse. Ah purée, ça c'est puissant. Cette attaque est puissante. Heureusement qu'il a que son attaque spéciale est complètement naze. Sinon ça aurait fait un peu mal. Allez hop. Oh, choc mental. Voilà, on speedrun. Hein. Alors là, hop. On passe les dialogues, souvent ils sont pas très intéressants. Tac tac, y'a pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Un rappel! En plus, c'est bien ça, c'est comme une queue de phénix. Non, Final Fantasy.
Même dans un bâtiment aussi sordide, mes Pokémon peuvent danser avec élégance. Bon, je devine, hein, type plante. Voilà, type plante. Mais bon, je pensais pas celui-là, mais type plante. Je pensais à celui qui était en pyjama, là, qui danse à moitié. Tac, choc mental. Oui, il a deux évolutions, il a une évolution mâle et une évolution femelle, voilà. Ça. Complètement différente. Femelle, je crois que c'est psy, et mâle, c'est... c'est combat. Griffe... il a tué mon Pokémon. Tac, ouais, allez. Hop! Un peu d'XP. Danser ne suffit pas pour gagner! Tout est si évanescent! Oh, c'est si triste! Oulolololo! Je vais me fighter contre une rugbyman! Moi, je me demande ce qui t'a poussé à venir jusqu'ici pour te faire écraser par mes soins! Oh, c'est très speedrun. Yeah. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est tout pourri. Ça sert à rien. Est-ce que tu vas mourir? Voilà, hop. Pas la peine d'augmenter vos stats, hein, vous servez à rien. Hop, allez, c'est super efficace. Et pourtant, il est pas mort. Ah, purée, il est paralysé. Fait chier. Hop, c'est lui qui m'a écrasé. Creux, je me suis fait avoir, je dois avoir un talon d'Achille. C'est la kryptonite. Ok. Il me regarde au calme. Ah mon chou, tu ne serais pas un homme de Dunking? Tu ne pensais tout de même pas pouvoir pénétrer ici en douce. Quel petit imbécile tu fais! Où est Bull Disco? Je vais l'anéantir! L'anéantir? Après la raclée que tu viens de te prendre? Quelle blague! vous allez voir, je vais vous chasser hors de la ville! C'est ce qu'il en veut, hein? Il en veut! Ne me dites pas qu'il nous faudra faire comme avec Dunking et prendre ton Pokémon en otage pour que tu te tiennes tranquille! Quoi? Oh, dis donc, il y a foule ici, aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour les ignorer. Bah, let's go. Il y a quand même plus de foule... dans ce magnifique jeu Pokémon Colosseum. Alors qu'il y a très peu de PNJ que dans la vraie vie. En ce moment. Oh, il y a un Pokémon obscur! Oh là là, en plus il a l'air trop fort! Alors Migal, un petit choc mental, il est mort. Oh, c'est super efficace! Ah non, le jeu rame. Ah, il rame un petit peu. Oh là là là, oh là là. Bon. Bon, vous avez un effet bullet time, là. Ça fait plus stylé. Voilà, il rate son attaque, c'est magnifique. Quoi? What? Je vais one-shotter avec une vieille morsure? Ah oui, il n'était que niveau 20. Aïe. Aïe. Bon, on s'en fiche. Hein. Il est nul. Je vais pas le choper, ce Pokémon. Une folie, force cachée. Bon, allez, hop. Il a une évolution après, mais c'est pas fou. Allez, fais ton hâte. Il vient d'accélérer le jeu. Ah oui, grâce à hâte, il va plus vite, regardez-moi ça. Cette vitesse d'attaque. Allez, hop.
Allez, de l'XP. Vous avez battu le sbire Bull Curry. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable! On a remporté je sais pas combien de fric. Tu veux dire que mes Pokémon ne sont pas à la hauteur? Ce type n'est pas un client ordinaire. Excusez-moi. Vous avez été engagé par Dawking comme garde du corps. Si vous comptez vous opposer à nous, vous allez finir dans un sale état. C'est parti, deuxième dresseuse. Un combat est lancé par Bull Skilla. Voilà. Les mecs. On a une raie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bruit pour la raie? Les pompiers viennent de passer. Bon bah on va garder ce bruit là. Allez, on va garder ce bruit là pour le montage. Allez, Capou machin. Bon, il tue direct lui. Ah non, même pas. Bon, il utilise hâte, le truc qui sert à rien là. Buldo. Oh là là. C'est tout? Ah oui, mais c'est lui en fait, ce Pokémon là, l'évolution, c'est vrai. C'est Raimanta. Ah non, pas Raimanta, Démanta. Pourquoi Démon? Oh non. Oh non. C'est pas possible, en plus elle a été tuée par... Putain, elle a été tuée par un vieux truc. Étonnement quoi, l'attaque qui fait 5 de dégâts. Ah purée le fiche toi, je sais pas qui prend moi. Makuhita, en avant. Oh là là, il va se faire one-shoter. Oh bah, on était pas loin. Oh putain. Putain, je risque de mourir. Oh là 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 là. En plus l'autre il est paralysé. Oh là là les gars. Bon, je vais le soigner parce que ça me saoule. J'ai pas un antipara là. Antipara. Je sais pas où c'est là. Ah. Hop, allez, c'est bon. Par contre, Raimanta. Oh là là, oh là là. Je suis dans la merde. Si je suis corps perdu contre lui. Bah, purée. Il refait son attaque. Ouais, mais le problème, c'est que ça a peur, l'étonnement. Ça se trouve, il va avoir peur après. Bon, de toute façon, il va mourir par ça, purée. Voilà. Critique. Qu'est-ce que tu veux y faire contre ça? Ah, purée, mais tous mes Pokémon, ils sont nuls. Y'a que Noctali et Mentali qui valent le coup. Ah, purée. Et Mentali qui est surtout bonne en attaque. Bon. Ah non, attendez. On peut faire onde folie. Charge noire juste pour l'autre. En ballon. Puis il réussit encore. Normalement c'est une attaque que tu ne réussis pas à tous les coups ça. Bah putain ça n'affecte. Mais rien ne l'affecte lui. Purée. Pareil. Ah il tient le coup. Je crois que je vais devoir user des potions contre cette dresseuse à la con. Potions. C'est combien déjà potions? C'est 50. C'est que 20. Ah d'accord. Ça sert à rien quoi. Purée 20 PV. Un truc qui sert à rien quoi. Ah oui c'est vraiment nul. Hein. Du coup je fais quoi? Ballon ne marche pas contre lui. Charge noire, j'ai que ça. Moi je vais pas mourir là. Voilà, ça repasse. Ah mais non il s'énerve, purée. Ah purée, lui il se fait pas avoir par bon de folie. J'ai vraiment de la chance. Ah là c'est parfait. Ah c'est le perfect.
Ouais, voilà. Moi, je pense qu'à l'avenir, il y aura plus de contenu sur la chaîne Oliver Plasma, là, pour l'instant. Avec les petites sagas MP3, là, faudrait que je continue la saga MP3 Dracula XXL. Mais voilà, sinon... qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Il vole. Mais sinon, comme contenu comme ça, là, le contenu let's play ou vidéo test, ça va être compliqué, hein, à l'avenir, là. Ah bah voilà, là, ça a enfin marché. Tout de même. Bon, on verra, mais bon, à l'avenir, il n'y aura pas beaucoup de contenu, là. Je dirais que ce sera plutôt mi-2020 qu'il va y avoir du contenu. C'est vrai qu'en ce moment, ça rame un petit peu. J'avance pas trop sur la chaîne, là. Ce let's play, là, il aurait dû être fini depuis un petit moment, quand même. C'est le let's play de Noël, depuis. C'est un petit peu vieux. Enfin, non, pas de Noël. De Noël, c'est Bilbo. Et Bilbo, c'était prévu qu'il mette 3 plombes à avancer, parce qu'on le fait en duo. Par contre, voilà, let's play de Pokémon, je le fais tout seul, donc il n'y a pas de... Voilà, faut que ça avance un petit peu plus vite. Mais attendez... Demanta, je sais pas quoi faire, là. Morceau, faut se cacher. Ah, mais lui, il faudra le tuer un jour, là. Ah, il n'est plus confus, mais c'est super. Et en plus, il attaque Noctalie. C'est super! Oui, je sais à l'avance parce que l'autre il est en mode vol, donc il peut pas se faire toucher normalement. Voilà. C'est pas mal. Et je pense pas que je vais le garder ce Pokémon là. Nofrang là, il est pas ouf. Hop! Eh bof, ça fait pas très mal. Hein. Bon, faut refaire onde folie quoi. C'est génial. Et vol sur lui. Allez, vol sur lui. Voilà, c'est... On lui fait son armure s'il veut. De toute façon, lui, il est un peu inoffensif. Hein. À part vive attaque, c'est tout ce qu'il connaît. Oula. Alors que Demanta, il fait un peu mal, quoique. Ah, il est costaud quand même, hein, Noirfang, hein, il peut avoir une bonne défense. Hein. Peut-être pas aussi costaud que Noctali, mais quand même. Voilà. Déjà, on se met une petite sécurité. Ouais, je fais ça. Bon, d'accord, si tu veux, lui va faire ça non-stop. Il va avoir une bonne défense, mais bon. Voilà. La RNG qui est avec moi enfin! De Zeus! Non, j'ai attaqué Raimanta, c'est parfait. Demanta, oui. Mais c'est pas Raimanta son nom de base! Parce que c'est vrai que Demanta, ça me paraît bizarre. Ouais. Morsu. On va essayer de le choper, petite Pokéball. Bon, j'y crois pas énormément, mais bon, on va essayer. Super Ball. C'est parti, le Snatcher. Il est parti. Oh là 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 là, mais au bout du troisième coup, comme par hasard. C'est pas possible. Voilà, vive attaque. Voilà, prends ça. Hop, allez, c'est bon. Adieu, Fouineur. Bon, j'avoue que je sais pas pourquoi j'essaye de l'attraper, parce que je pense pas que je vais jouer avec ce Pokémon après, moi. Demanta, est-ce qu'il est bien? Dites-moi dans les commentaires. Ça. Bon, on va essayer de le choper comme ça pour le fun. Sinon on le tue, hein. Mais...
Oh, c'est parce qu'il a une bonne défense aussi, donc hop. Si on peut l'attraper direct... Bon, tant pis, allez, on va le tuer. Ça m'énerve. Voilà, j'ai perdu 2 Super Bowl. C'est magnifique. Il n'est plus conflu en plus. Et en plus, il réussit son ultrason. C'est génial. Mais il a une bonne vitesse, dis donc, des mantas. C'est fou. Il attaque quand même dans les produits. J'entendais qu'il soit lent, quoi. Enfin, je sais pas, vu la gueule du Pokémon. Ouais, bah lui, je suis obligé de changer de Pokémon. Ah, purée, je peux pas! C'est le dernier! Ah, la colle! Ah, la loose! Ah, la loose! Bah, je l'appelle. Truc qui sert à rien. Non, parce que bon. Moi, je suis sûr que tu vas avoir une mauvaise RNG pour ça. Il fait mal quand même, lui. Coup du bélier. Aïe, aïe, aïe. Bon, lui, il va mourir quand même. Un dernier coup après, et hop, c'est bon, on n'en parle plus. Bon, il booste encore sa vitesse. On peut le tuer avec lui. Et lui, il fait charge noire en espérant que ça marche. Aïe, aïe, aïe. Ah, par contre, il reste vraiment presque plus de vie. Ah, si je dois utiliser un rappel, là, ça me ferait un peu chier. Oh lolo. Comment c'est serré, ce combat. Comment c'est serré. Yes. Là, j'ai de la chance. Yes. 3 PV. C'est chaud. Alors, c'est compliqué, ce combat. Oh, l'XP qui donne. Mais quel talent. Bon, je vais faire soigner mes Pokémon parce que ça, c'est pas possible. Ils sont quasiment morts. Ils sont à l'état de zombies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cauchemar. Elle a failli m'avoir. Hein. Akari, c'est pas le moment de moisir ici. Ok, Sila. Ultra super final sprint. Ok. Les fameuses phrases à la Pokémon style. Alors, je peux choper ça. Il va passer pas à trouver un dossier tech. Je voulais pas lire. On s'en fiche du background des Pokémon. Obscur. Heureusement, une jeune fille capable de voir cette aura a été découverte. Oui. Elle est juste à côté de moi. Je vais la livrer au... à la Team Rocket. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, à part faire des abdos? Ouch! J'ai fait trop de crunch. Merci pour votre aide. Vous connaissez Docking? Bah oui. Je vois, quel idiot! J'avais tout compris de travers! Prends le Pokémon de Docking en otage! Quelle bande de lâches! Ah oui, Bilbol, c'est elle, c'est vrai. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes venus ici! Pour sauver Posipi! Moi aussi, je viens! Aïe, 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 j'ai fait trop de crunch! J'ai mal aux abdos! Pas dans votre état! Et vous allez devoir attendre ici! Arrêtez votre fitness! Oh oh oh! Non, pas se croise à nouveau! Boule disco! Ça lâche! Ah non! Prendre un otage, ce n'est pas de la lâcheté, c'est un plan superbe, mon petit sportif! Oh oui! Vous! Oh oh oh. Vous appelez ça un plan? J'espère pour vous qu'il n'est rien arrivé à Posipi! Il ne peut pas être plus en sécurité. Je ne doute pas qu'il en vienne à m'adorer dans très peu de temps. C'est n'importe quoi! Où est-il? Relâchez-le tout de suite! Fou, oh, oh, je ne me cache pas, je ne cours pas. Alors ne tardez pas à faire un petit pas de danse vers les cavernes. Allez, je vous y attends.
Let's groove. Voilà, bon bah lui, voilà, il continue son fitness. J'ai entendu parler d'un jeu qui s'appelle Ring Fit. Votre avis sur ce jeu? Vous connaissez, non? Hyper potion. Attendez, par contre, si les dresseurs sont de retour... Non, ça va. Je me suis fait une petite peur. Je me suis dit, si ça se trouve, les dresseurs, ils ont repopé, là. Ils vont vouloir se rebastonner. Mais non. Ils restent juste en mode figurant, ici, voilà. Ils servent à rien. Et c'est nickel. On ne peut pas l'ouvrir de ce côté. Mais c'est génial. On est obligé de tous retaper. Bon, bah... Let's go! La musique est très dansante. Yeah. Oula, putain. Ah, le pianiste, il n'en peut plus, là. Voilà. Ah, je vois. Vous n'êtes pas de nouvelles recrues, mais des intrus, vous aussi. Le mec de tout à l'heure, il était trop faible pour en parler. Et vous, est-ce que vous allez pouvoir m'amuser un peu? Let's go. Oh là, il envoie un quick fish. Et un poids sirène, j'ai peur. Ils sont hyper synchro en fait, les deux Pokémon. Oh là, et je vais pas cette chose là, je vais le tuer moi. Ah, je m'en fous, je vais le tuer là, vas-y là. Choc mental, morsure, dégage. Ah, je veux pas ce truc là. En plus, c'est super efficace, c'est le psy sur lui. Il nous manque son esquive. Comme par hasard, ça passe pas. Et parce que RNG. Bon, au pire, voilà, elle le finit. Parce que Check Mentally a une bonne précision. Voilà, allez hop. Et bon, il a fait esquive qu'une fois. On upgrade un petit coup ces Pokémon. Oh, pic-pic. C'est un peu lent les animations. Ah, c'est... Je crois qu'il allait le faire plusieurs fois. Linéon ou Poissirène. Bon, un petit coup Linéon. À chaque fois, choc mental, c'est un peu plus puissant. Ça passe toujours. Oui. Donc lui, il aime bien la précision. Hein. Précision, esquive, il est à fond là-dedans. Bon, allez, on va le finir. Hein. Un petit choc mental, morsure. C'est un peu répétitif quand même, là. Toujours pas mort. Bon allez, on va accélérer tout ça. Oui, il a fait mal. Hop, hop. Yes, j'ai pris mon pied. Le combat a été intéressant, je n'en demande pas plus. Allez, si vous voulez passer, je vous en prie. Je suis pris une déculottée, mais j'ai pris mon pied quand même. Ah d'accord, non, oui, on va pas passer devant une poupée Barbie. C'est pas trop l'objectif. Les trucs gnangnans, c'est bon. On a déjà quand même une fille derrière nous qui a des cheveux, qui a des chaussures roses. Hyper potion. Hyper potion, je crois que c'est un peu dégueu, hein. C'est juste 50 PV. Truc du genre, attendez, hyper potion. Ah non, 200 ça.
Ça va, c'est pas pété. Je veux dire, c'est pété. Enfin, ça dépend le contexte. C'est vrai que Noirfang, il doit avoir une putain de défense quand même. 41. Alors 90, ouais, c'est quand même mieux. Défense de Noctali. Mentali a une meilleure défense que Noirfang. Étonnant. Bon, après Noirfang a 10 PV de plus. Enfin, 11. Mais quand même. Est-ce qu'on se le fait celui-là? Enfin celle-là, bon allez vas-y. Excellent! Et vous êtes enfin là, cet étage est sous ma responsabilité! Je ne peux pas vous laisser passer! Ah bah, alors qu'on pouvait largement l'éviter. Et encore des types plantes. Décidément, les filles aiment bien les Pokémon type plantes. En ce jeu. Coup critique, génial. Mais la RNG est superbe, hein. Franchement. Un petit coup critique? Ah non, c'est bon. Ah, laissez faire. Ce let's play va être très rapide. Il va être bouclé. Tu es doué, mais ce n'est pas pour ça que je te dirai où se trouve Bull Discord. Ah ouais, en dessous. Faut juste emprunter l'escalier. Ah, ouais, ouais, je suis une racaille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? On m'avait dit qu'il y avait qu'un intrus, mais apparemment vous êtes deux. D'accord, une racaille qui a avec ce Pokémon là. Tout à fait. Choc mental, lui va mourir. Hop. Hop. Oh, ça aussi c'est super efficace. Oh, bah c'est parfait. Je savais même pas. Bon, il va mourir lui là. Ah là. Hop, allez. T'existes plus, frère. Tes Pokémon sont trop forts. Vas-y. T'es un mec de la cité, frère. Ça n'a pas dû être facile d'élever des Pokémon à ce niveau. Ah, t'es un ennemi, mais tu as mon respect, frère. Alors, on va pouvoir passer. J'ai la flemme de passer par là. Bon, allez. Oh, en plus, il me regarde. Salut. Je le fais passer. Ce qui est con, c'est qu'il te regarde, mais il fonce pas sur toi. Il faut vraiment être sur la ligne de son regard, de son premier regard, pour que là c'est bon. Voilà, si vous attirez mon attention, ne comptez pas aller plus loin. C'est parti. Ah oui, c'est celui-là, Pokémon obscur. Oh, j'ai la flemme de le prendre. On va le tuer. Voilà, il sert à rien. Ouais, normalement, faut pas trop faire comme ça le jeu, hein. Évidemment, si on veut le faire à 100%, tout ça. On chope tous les Pokémon. Ah oui, lui, il est atteint de convulsions quand on le touche. Voilà. Un cri psychédélique. Crise d'épilepsie. Voilà. C'est rigolo. Choc mental. Il n'existe plus. Drabi est un Pokémon hyper fort, hein, pourtant. Enfin, pas pour l'instant, hein, pas ce domaine. Pas quand il est sous cette forme, mais voilà. Quand il va évoluer, attention. Attention les yeux. Les Pokémon ont gagné un tournoi de Colosseum. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il avait un Pokémon obscur. Bon, c'est un peu chiant s'ils sont partout là, les dresseurs. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer combattre tous les dresseurs là? Ah. Coucou, je vais derrière. Je regarde ton petit derrière, ça passe pas. Ah, bienvenue ici.
Oh là là, what? On ne veut même pas faire morsure sur what. Une force cachée. Parce que sinon, en fait, morsure, c'est une attaque vraiment au corps à corps et on risque de se faire électrocuter. Enfin, paralysé. Normalement, là, ça passe. Voilà. Je suis pas fait paralysé. Ah, mais lui... Ah oui, d'accord. Un truc qui sert à rien. On se fait quand même paralyser malgré tout. C'est magnifique. Allez, vas-y. Voilà, il est paralysé, il peut rien faire. Il est paralysé face à mon talent. Il a la trouille. Je lui fais peur, attention. Hop, allez, dégage. Ah là, la RNG, elle est sympa. Et deux fois, c'est passé. Je ne sais plus quoi faire. Impossible, impossible. Comment est-ce que je peux battre quelqu'un d'aussi fort que toi? Il plaisante. Alors, ben voilà. Pam, 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 pam. Bon, on va se faire le petit boss et après je pense qu'on va se quitter. Ah non, on peut pas sauvegarder, c'est vrai. Je peux faire que via safe state. Safe state. Ah mais non, mais c'est pas là qu'on peut passer direct. C'est où? Finalement, le donjon n'est pas fini. Eh, parce que c'est un petit donjon, hein, finalement. Salut, toi. Fais du surplace avec ses rollers. Ah, lui, on est obligé de le combattre. Ah, et lui, je sais pas. Je dois marquer les points pour que Bull Disco ait l'année de promotion. C'est parti. Oh, finalement, vu qu'en ce moment, j'ai la flemme de faire le montage, j'avoue que... Le fait de pouvoir accélérer comme ça avec l'émulateur, c'est plus simple que de faire des coupures. Hein. Finalement, on perd pas trop de temps. Oh là là, la RNG, elle est sympa, là. Ça le rend confus, en plus. Ah, pas si sympa que ça, en fait. Ouais, je crois que Typhlon, il était hyper lent. C'était le dernier à attaquer, donc ça sert à rien que l'autre y fasse morsure, voilà. Un Pokémon type vol hyper lent, encore plus lent que Noctali. Et bah ça existe. Sans lui, il a rien pour plaire quoi. Moi je vais pas le choper aussi. Ah, c'est pas très efficace. Coup critique. Oh là. Après il a perdu un balle de vie, Terral. Ah mais non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Morsure, choc mental. Hop. Ah, Fury, ça c'est pénible. Il rate son attaque, c'est magnifique. Allez, hop, on va les tuer. On va les battre, je veux dire. On est dans Pokémon, hein, faut pas heurter la sensibilité des jeunes. Non, mon futur radieux. Eh ben non, tu vas pas devenir une star. Grâce à vous, mon rêve de promotion a été brisé. À cause de vous, plutôt. Schniff. Acteur. Sur 20. Oui, donc là, je pense que c'est là-bas, pour... Ah oui, c'est là-bas. Il y a le boss là-bas. Il vaut mieux que je me soigne avant, hein. Faut pas le prendre à la légère, le boss. Il est costaud. En plus, il a un Pokémon légendaire. Faut que je vais me faire ce dresseur, tiens. Un peu d'XP, hein, évidemment. On ne crache pas sur de l'XP. Ah bah ça, on va bourrer comme il faut. Hop. Hop. Hop, hop. Méga Sangsu. Ça passe, ça passe. Choc mental. Morsure. Étonnamment, ça sert pas à grand chose. Si
surtout quand on le fait à la fin. Parce que l'étonnement, justement, c'est pour faire peur au Pokémon. Donc faire une petite attaque et qu'en même temps l'autre Pokémon ne réplique pas. Big Pokémon! Il ne va pas arriver le règne de Bull Disco. Car il y a le King. Et il y a Bill Ball aussi. Bill Ball! Il faut bien sûr compter sur Bill Ball. Bon, allez, va plus vite la musique là. Hop, 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 hop. Le sprint! Le sprint! Moi je m'en fiche, moi je sais pas. Ah, le boss. Donc attendez, on va commencer par qui pour lui? C'est qui peut être vraiment efficace contre les plantes? Je crois que type vol, c'est pas mal contre les plantes, il me semble. J'avoue que j'ai pas de Pokémon type feu, donc bof. Est-ce que type vol ça peut être vraiment bien? Bof, on va y aller comme ça. Ya ya, vous êtes dans le rythme? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Cool, vous êtes enfin arrivé les mecs. J'en avais assez d'attendre. Music stop! Vous avez mis un temps fou pour arriver. Alors, j'ai fait quelques pas de danse en attendant. J'ai relancé la Wii avec Jolstance. Ah, les mecs, mais c'est ce que vous nous avez causé bien des ennuis. Je parle pas la France, mais il ne me suffit de me débarrasser de vous ici, et le plan sera de nouveau en route. Oh yeah! Alors, je me disais qu'une dernière danse frénétique pour finir votre histoire. Let's groove, start! Allez, relance la Wii, Roger! Un combat est lancé par Admin Ombre Bull Disco. Bull Disco lance deux Ludicolo. Ludicolo. Oui. Deux Pokémon très écolo, évidemment. Tirons de folie pour qu'il pète un petit peu un câble. C'est quand même la troisième évolution de ce Pokémon, donc faut faire attention. Enfin, la dernière évolution. La troisième forme, quoi. Bon, même s'ils sont quand même assez inoffensifs, hein. Ils vont faire danse plus, je crois, c'est ça. Ils vont faire plein de fois danse plus pour que les attaques type eau soient de meilleure qualité. Plus puissante. La danse de la pluie. Ça veut dire qu'il danse mal? Ce n'est pas clair. Je crois qu'à Bull Disco, c'était sa passion, la danse. Mais bon, s'il pleut quand il danse, c'est pas génial. En tant que danseur. Ludicolo. Ah purée. C'est vrai qu'il pouvait faire ça lui. Ah mais les attaques type plantes sont un peu meilleures, un peu plus puissantes aussi. Ah, il peut se régénérer de la vie, oui, c'est vrai. Enfin, pas beaucoup, mais. Un minimum. Retour au choc mental, j'hésite. On va essayer retour, on verra ce que ça donne. Ouais, bof. C'est pareil. Sauf qu'au moins, choc mental, il risque de devenir fou. Ah, purée. Vampigraine. Ça, c'est pénible. Bon, la technique à faire quand un Pokémon est infecté là, par Vampigraine, c'est tout simplement de le changer, voilà. Comme ça, ça va annuler le truc. Ah, parce que sinon, je vais à chaque fois perdre de la vie, comme ça. Oh là là. Pas terrible.
Ah, il se soigne non-stop. Pokémon. Tiens. Lui, il est type haut en plus, c'est parfait. Choc mental. Ça avait quand même plus de gueule, les combats de Pokémon sur GameCube. Hop. Hop, c'est fail. Ah, il donne pas mal d'XP quand même, hein, parce que là, c'était 3 Pokémon qui ont eu de l'XP du coup, parce que je viens de mettre Crocodile là, sur le devant de la scène. Du coup, lui aussi, il a eu de l'XP. Du coup, ça a divisé par 3, on est à 400 XP, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on serait à 800 XP s'il n'y avait que 2 Pokémon, théoriquement. Enfin, si je comprends bien les calculs, on pourrait faire Surf. Choc. Tranche herbe, ah purée. Ça peut être puissant ça. Oh non, en plus s'il fait sur lui, aïe 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 aïe, super efficace. Ah, je le sens pas, je le sens pas. Si l'autre il attaque aussi. Ah non, c'est bon. Ah, il va quand même lancer un petit surf avant de mourir. Ah d'accord. Inutile. Ah, c'est vrai que c'est des types plantes, hein, donc c'est vrai que ça vaut pas trop le coup. Ouais, autant que je change. Ça sert pas à grand chose. Reprendre Noctalie qui n'est plus infecté du coup, théoriquement. Et puis de toute façon, on l'a tué le Pokémon qui l'a infecté. Oh bon, bref. Ça a quand même marché. Allez hop. Ah, c'est lui. Lui, il est pas mal. Je pense qu'on va essayer de le capturer. Quand il n'est pas du tout type O. Et... Du coup, il n'aime pas trop ce truc-là, là, dans ce puits. Parce qu'en fait, c'est un type roche. On pourrait croire comme ça que c'est un type plante. Mais non, c'est un type roche. C'est pas vraiment pareil. Donc, choc mental. On va d'abord tuer celui-là. On va essayer de le tuer. Direct. Petit coup critique, non, même pas. Bon, bah, ça va pas le tuer. En plus, ça fait un peu mal, je crois, non ? Oh, il attaque plusieurs fois. Il peut attaquer jusqu'à 5 fois, normalement, ça. Charge noire. Ça va. Il continue de pleuvoir. Qu'est-ce que je pourrais... Je pourrais parler de quoi, là? L'actualité, un petit peu, actualité vidéoludique, évidemment. Bah, j'ai hâte que Final Fantasy VII sorte, voilà. J'ai fait la démo. Je suis assez convaincu. La mise en scène est pas mal. Enfin, même parfaite, hein, faut le dire. Ils ont mis tout le budget là-dedans, là, Square Enix. Alors, c'est pas le niveau de Secret of Mana, hein. C'est un autre niveau là. C'est même bien mieux que Final Fantasy XV. Puis moi j'avais peur un peu parce que Final Fantasy XV, bah, je l'ai pas acheté pour une unique raison. Enfin pour deux raisons en réalité, puisque c'est les personnages déjà principaux faisaient peur. On va faire metteur. Petite attaque pour pas le tuer. Les persos principaux faisaient peur quand même. Hein, c'était pas du très haut level, hein. On se serait cru dans Secret Story ou Beastie à Las Vegas. C'est compliqué. Mais version japonais. Version Japon. Bon, la télé-réalité sur PS4, ça m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Essayer de le choper.
Hop. Espérons que ça passe. Ah, et en plus de ça, c'était aussi le combat. C'était le gros bordel, la caméra faisait n'importe quoi. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, des let's play, différents let's play. Principalement du let's play que j'ai suivi de fond en comble du gros ours. Il est presque mort là. S'il fait charge noire, il capote. On va faire ça pour l'instant. Et franchement, ça ne donnait vraiment pas envie. Alors que là, Final Fantasy VII, déjà en plus, Final Fantasy VII, moi, c'est un jeu que. Purée. C'est un jeu que je dois faire, je dois me rattraper. J'ai la version PC, Steam, très exactement. Ouais, j'ai pas la version de l'époque. Je l'ai pas connu à l'époque. Je n'avais pas de PS1, évidemment. Et surtout, j'avais un an. Voilà, c'est compliqué. Ce qui est logique, c'est que j'avais une NES. Voilà. Ah purée, ça passe pas. Et puis personne n'avait un PC dans les années 90. Il y avait trois jeux de vraiment intéressants dessus. Final Fantasy VII, Rayman. Et encore, Rayman n'était pas sorti tout de suite. Je crois que j'ai fait le tour. Half-Life était sorti plus tard, 1999, donc bon, sur PC c'était un peu de la merde. C'était plus pour le boulot hein, à l'époque. Hein. Là maintenant, évidemment, maintenant il y a tout. Bah regardez, là je joue sur mon PC. Tout simplement. Appeler. Allez. Ah purée, pourquoi ça passe pas, les gars? Voilà. Faut lui donner un kebab, là, un simularbe ou quoi, pour qu'il se laisse faire. Purée. Bon, on va réessayer une autre fois, mais... Ça sent le simularbe qui va décéder, hein. Allez. Aïe. Bon bah il va décider. Ah, je suis triste hein, mais bon. Je suis pas obligé de l'avoir, hein, c'est pas... Mais bon, il est pas mal. Ça m'embête un peu de pas l'avoir. Bon. Oh, mais en plus il fait ses petits yeux, il est tout mignon. Ah purée, mais... Je savais pas que c'était son point faible, ça. Ouais, allez, vite fait, crocodile. Tant pis, hein. On va le tuer. Tant pis. C'est triste. Voilà, un petit surf. On va voir que ça va être super efficace parce que c'est un type proche. Ah, c'est ça. C'est un type proche. Je fais un faux pas, oh no! Quel manque de rythme! J'ai même pas une étoile sur le Just Dance. Comment osez-vous? Vous pensez vous en sortir sans bobo? Un jour, je vous montrerai un fabuleux pas de danse qui vous expédiera en enfer! Oh, et le plan Pokémon obscur ne sera pas abandonné pour si peu. Let's groove! Fuite! Il court comme Naruto. Ok. Oliver Plasma, tu as entendu ces cris, c'est certainement Pozipi. On dirait que ça vient de l'autre côté de cette porte. Bon, reste bloqué ici, toi. Une CT-49. Ah, c'est quoi ça? CT-49... Purée, ils sont tous soignés. Ah, d'accord. Attends, comment on utilise ces CT déjà? Ah, c'est comme ça. Saisi.
vole les effets de prochaines attaques ennemies. C'est pas terrible. Je ne suis pas un voleur, moi. Je suis pas un roublard. Non, j'ai la flemme. Un braque macho, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas ce que c'est. Un braque macho. C'est pour machopper? Comment ça se passe? Objet tenu augmentant la croissance, baisse la vitesse. C'est de la merde. Ça baisse la vitesse et ça augmente la croissance. Et ça sert à quoi la croissance? Ça augmente la défense, peut-être, je sais pas. Ou l'attaque. Docking, oh, les emplacements, pose épée. Ah, ça, il avait quelle voix déjà lui? Non, ah, tout va bien, Oliver Plasma. Oh, pose épée. Bon, les scores, allez, si. Ah, ça me file. Mais les choses devraient le venir à l'anomale, ici. Docking, je ne sais pas quoi dire. Oublie ça, Siva. Tout le monde est sauf. C'est ce qui compte. Oliver Plasma nous a même débalassé de Boldisco. Oh, comment ça, pose épée? Appelez tout ça, tu dois avoir un téléphone, non? Allez, Oliver Plasma, on quitte cette caverne moisie et en quatrième vitesse. Oliver Plasma, je te remercie pour ton aide. Ah merde! Non, c'est pas son sous-fif qui parle. Allez, va pas se mal, je te remercie pour ton aide. Encore un peu plus et les Posipi étaient transformés en Pokémon obscur. J'en tremble encore. Je suis si contente, papa! Et Posipi aussi! Et qu'est-ce qu'il y a, Posipi? Quoi, quoi? Ah d'accord, j'ai qu'un plan. Allez, va pas se mal, pourrais-tu prendre mon Posipi avec toi? Posipi dit qu'il veut vous aider aussi. Bien sûr, bien sûr. Et toi non plus. Tu ne peux pas pardonner à ces crapules. C'est formidable! Notre groupe s'agrandit d'un allié brave et mignon! Allez, ma plasma, je compte sur toi. Posipi est transféré au PC. Je vais commencer les recherches sur les gens qui se tiennent dans l'ombre de Boldiscore. Si je tombe sur quelque chose d'important, je vous en ferai part. Tu le suis. Ah mais oui, Oliver Plasma, donne-moi ton numéro de pad. Ah, c'est le Pokémon Assistant Digital. Pad, en abrégé. Oliver Plasma, toi aussi tu en as, n'est-ce pas? Il faut que tu donnes ton numéro à Docking. Attends, donne tout numéro. Ton numéro. Petite faute. Bien noté, je te contacte dès que j'ai des nouvelles. Two numéro. Let's go. Donc là, ils sont tous soignés, les Pokémon. Ah, oui. Ah, bah c'est nickel. Bon, du coup, je crois qu'on va se quitter. Hein. Ce fut une magnifique victoire. On a failli fail. On a failli fail contre les deux dresseuses, là. C'était compliqué. Et voilà, grâce à mon talent et à ma chance. Voilà, aussi. Bon, la RNG, elle n'a pas été cool. Hein. Enfin, globalement, à part la fin. Elle s'est rattrapée à la fin, la RNG. Elle s'est rattrapée à la fin, mais globalement, ça a été une petite raclure. Hein. Bon, sur ce, voilà, sur ce, prochaine partie. Bon, je vais pas non plus trop traîner le let's play. Hein. On va pas le faire non plus un mois après, comme... voilà. Comme en ce moment, je pense que la prochaine partie sera peut-être dans une semaine, hein, voilà, tranquille. On se pose une partie une semaine après, tranquille. Pourquoi la voyante elle est là? Ah, c'est peut-être mon imagination, mais l'air de cette ville me semble un peu plus propre. Malheureusement, l'aura nébuleuse n'a pas encore disparu. Formidable, rien ne vous échappe, Madame Mira. Rien ne peut rester caché à mes noms de voyance. La clé pour libérer les Pokémon de l'aura nébuleuse se trouve au nord,
voleur. En parlant de voleur, c'est là que se trouve la maison de mon grand-père. Oh non, j'avais complètement oublié. En fait, j'étais en route pour aller voir mes grands-parents. Ils habitent au village au nord d'ici, Samaragd. Le fait que cela soit au nord ne doit pas être une coïncidence, ma belle. Oh, dans sa jeunesse, mon grand-père était un dresseur célèbre. Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions, allons-y. Ok. Et du coup, voilà, ça m'agrade. Samarag. Voilà. C'est espèce de Ramla. Voilà, la ville espèce de Ramla de Hanouna. N'attend plus que nous. Mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. À leur voyure.